Vous avez déposé des dizaines de CV, vous avez une licence, une maîtrise, et pendant 3 ans, 4 ans, vous n'arrivez même pas à trouver de stage. Vous êtes frustré, je comprends cette frustration-là. Et l'idée de cette vidéo, c'est de dire, si vous avez essayé une méthode pendant longtemps et qu'elle n'a pas abouti, essayons de voir ensemble comment on peut aller vers une autre approche. Bonjour, je suis Amina Diagne, coach d'affaires et formatrice en entrepreneuriat. Peut-être que par défaut, on pense toujours aux grandes entreprises, aux 10 entreprises les plus importantes dont on voit les publicités à la télé ou sur les panneaux publicitaires. Mais ici, le changement que je veux vous inviter à faire et la réflexion, c'est aujourd'hui, il y a des centaines, des milliers d'entreprises qui sont dans le secteur informel et auxquelles on ne pense pas, alors que dans le fond, ce sont elles qui ont le plus besoin de votre expérience, même si vous venez de sortir de l'université, même si vous êtes en première année. Quand vous allez dans une grande entreprise, elle reçoit des centaines de CV de personnes qui veulent faire des stages, des personnes qui ont peut-être même la possibilité d'être embauchées, mais qui vont quand même accepter de faire des stages pour intégrer cette entreprise-là. Et c'est difficile de se démarquer et de faire une comparaison et de sortir du lot quand vous êtes face à ces profils-là. Donc l'idée ici, c'est vraiment de vous inviter à aller voir ces petites entreprises qui vont être dans la mode, des couturiers, des bijoutiers, des vendeurs de tissus et autres, ces structures-là auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui vont vous permettre, vous maintenant, de pratiquer, d'avoir du contenu que vous allez pouvoir mettre sur vos CV, de développer une expertise. Parce que ici, bien entendu, on parle des premières expériences à titre de stagiaire. Ce que vous avez besoin, c'est d'avoir ce contact-là sur le marché. C'est de voir ce que vous avez appris et de pouvoir le mettre en pratique. Et en passant peut-être 1 an, 2 ans, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous pouvez avoir beaucoup plus d'impact en développant ces structures-là. Ou au pire des cas, vous allez pouvoir développer votre expérience et demain, quand vous allez viser ces plus grandes entreprises-là, pouvoir dire, voilà concrètement ce que j'ai fait. J'ai trouvé cette structure-là, elle n'avait pas de site internet, elle n'avait pas de page professionnelle sur les réseaux sociaux, je l'ai accompagnée, je lui ai permis d'avoir tant de followers, je lui ai permis de passer de tant de chiffres d'affaires à tant de chiffres d'affaires, je l'ai aidé à s'organiser. Et ces éléments-là sont des résultats concrets qui non seulement vous auront permis de vous prouver à vous-même que vous en êtes capable, mais d'avoir également des résultats tangibles qui vont intéresser des plus grosses entreprises. J'ai reçu des dizaines de CV de personnes qui viennent vers moi en me disant je suis désespérée, finalement ce n'est même plus voilà ce que je peux apporter à l'entreprise, c'est je suis désespérée, je ne sais plus quoi faire. Donc si vous avez eu une démarche où vous avez déposé le même CV pendant longtemps et que vous n'avez pas eu de retour positif, la première chose à voir c'est vraiment d'analyser et regarder ce que vous devez changer dans l'approche. Parmi les CV que j'ai reçus, il y en a qui vont juste lister l'université, la formation et qui ne rentrent pas dans le détail. Donc l'objectif dans cette vidéo, ce n'est pas de réapprendre à faire un CV, mais je vous invite à faire des recherches, à regarder des vidéos sur YouTube sur comment rédiger un bon CV. Même si vous n'avez pas eu d'expérience ou de stage pendant votre formation, il y a une manière quand même de mettre en avant des compétences qui vont être transversales entre ce que vous avez eu à faire dans votre formation et qui peut être exploité également en entreprise. Donc la première chose que je vous invite à faire, c'est de vraiment regarder vos CV, comment vous pouvez les améliorer, comment vous pouvez travailler davantage sur votre lettre de motivation. Le deuxième conseil également, c'est que ce n'est pas possible d'avoir un CV qui correspond à tous les profils ou bien d'avoir une approche où vous allez vers l'entreprise en disant, mettez-moi juste quelque part, je veux un stage. C'est important de réfléchir quelles sont les compétences que vous avez envie de mettre en avant, où est-ce que vous avez envie de vous dépasser, de vous développer et de viser les profils qui vont correspondre à ce profil-là. Donc, si vous voulez vous spécialiser dans le marketing, dans la gestion de projet, dans les ressources, humaines, c'est important d'aller rechercher, et ça c'est le deuxième point, les fiches de poste. Vous allez rechercher sur internet fiches de poste et vous allez regarder
quelles sont les compétences que vous avez déjà acquises et autrement, qu'est-ce que vous avez besoin de développer pour pouvoir convaincre un employeur ou pour pouvoir développer vos compétences? Parce que parfois, l'autre chose que je constate, ce sont des lacunes dans la compréhension même du métier dans lequel vous voulez vous impliquer. Donc ça, c'est le deuxième conseil. C'est cette réflexion que je veux vous amener à faire et je vous dis bonne chance. Vous allez d'avoir, bien entendu, devoir faire ce travail-là. Encore une fois, ça part de vous-même, mais je vous invite à cette ouverture-là pour pouvoir voir dans ces différents secteurs auxquels on ne pense pas forcément s'il y a des opportunités que vous pouvez exploiter. Et je vous dis à la semaine prochaine pour les prochains épisodes des VSD de Minapro.